Bonjour, je vais faire un petit essai juste pour voir si ça marche bien. Je vais faire un concours bientôt pour avoir pour j'arrive aux 600 abonnés. Donc je vais faire un petit concours histoire de vous motiver un petit peu et puis vous récompenser de tous vos messages. Voilà. Donc je vais vous demander de m'envoyer, alors pas des memory decks parce que j'ai pas ce qu'il faut pour les mettre, et moi j'ai un autre système de rangement pour avoir vos coordonnées. Donc pas de souci par rapport à ça. J'en veux pas. Mais si j'en ai, ça sera pas la catastrophe, hein. Je les rangerai comme des cartes. Voilà. Des ATC autant que vous voulez, ça m'est complètement égal. Je veux une jolie carte. Une jolie carte sur le thème de pas seulement du 1er mai, mais si du 1er mai. Et puis on le clôturera à la fin du mois de mai, parce qu'il y a plein de congés dans le mois de mai, et je sais bien que certaines vont partir profiter des jours et des ponts pour s'évader, et on en a tous besoin. Alors ça, je ne suis pas contre. Voilà, donc vous m'envoyez des réalisations sur le thème du mois de mai. Moi, je vais en faire de mon côté, mais je ne vous montrerai pas ce que je fais pour ne pas vous influencer. Oui, c'est ça. J'ai cru que j'avais dit un mot de travers. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Alors, je ne veux que celles qui sont inscrites à ma chaîne. Et qui sont en public et non pas en privé. En privé, je ne les vois pas, je ne sais pas qui c'est. Et puis, je reçois des fois des mails à des personnes qui veulent des échanges que je n'ai pas dans mon répertoire. Donc, là, je veux absolument récompenser mes fidèles abonnés. Donc, je vais trier. Si je reçois d'autres choses, d'autres mondes, d'autres personnes, celles qui ne sont pas abonnées à ma chaîne, si je reçois quelque chose, je le mettrai de côté, mais je ne pourrai pas participer au tirage au sort. C'est dit. Voilà, parce que c'est vrai qu'actuellement, il y a beaucoup d'intrus de partout. Donc, je fais attention à tout et je ne veux pas que les personnes qui sont inscrites et qui me répondent fidèlement à mes commentaires soient pénalisées. Voilà. Bon, alors, à vos crayons, à vos ciseaux, vos couteaux, ce que vous voulez, faites vos créations et faites-moi de jolies choses sur le thème du mois de mai. Voilà, je vous fais un gros bisou et à bientôt. Au revoir. Merci.